tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très en douceur, très en self-care. Je suis de retour du Brésil depuis quelques jours et honnêtement, l'atterrissage est assez difficile pour moi. Je suis contente d'être de retour parce que j'ai plein de beaux projets ici qui s'en viennent, puis je suis contente de revenir à la routine, puis de plonger dans ces projets-là que j'ai vraiment hâte de pouvoir partager avec vous. Mais je vous cacherai pas que la vie au Brésil était très douce. Donc je me suis dit que cette semaine, plus particulièrement, j'allais être vraiment douce envers moi-même et y aller en lenteur pour réintégrer mes habitudes. Cela étant dit, ce matin, j'ai pris le temps de journal, de méditer. Une habitude que j'avais reprise au Brésil puis qui me faisait excessivement du bien, qui créait de l'espace pour ma journée, puis que j'ai envie de ramener ici parce que je vois vraiment un effet sur mon humeur générale, mon anxiété, même ma capacité à être plus productive ou à m'accorder plus de temps pour moi. Fait que sur ce, on s'en va en mode organisation, chose que j'adore. Puis après ça, on se retrouve pour aller probablement se refaire les petits ongles. Juste avant d'aller à la vidéo, je voulais dire un énorme merci à Bellessa de collaborer avec moi pour cette vidéo. Si vous connaissez pas Bellessa, c'est une compagnie par des femmes et pour des femmes pour démocratiser le plaisir sexuel. Sur le site de Bellessa, il y a une magnifique boutique qui contient plein de jouets que j'ai vraiment hâte de vous présenter parce que j'en ai reçu quelques-uns, mais également de l'éducation sexuelle, des conseils, un forum. Bref, c'est vraiment une place pour que les femmes se sentent bien d'explorer leur sexualité. Et justement, en ce moment, il y a un énorme concours sur le site de Bellessa. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'informations, mais juste en participant au concours, vous allez gagner des free stuff, que ce soit un jouet sexuel gratuit ou une carte cadeau sur le site de Bellessa. Vous pouvez participer à un concours, mais vous allez gagner automatiquement quelque chose juste avec votre participation. À quel point c'est nice. Laissez-moi vous présenter quelques jouets que j'ai reçus et testés et adorés, to be honest. J'ai reçu 3 produits qui sont les 3 produits coup de cœur, top vendeurs du moment de chez Bellessa. Le premier, c'est le Tombe. Le Tombe, c'est un jouet qui est en 3 temps. Donc, c'est un petit jouet comme ça. Il est tellement beau. Je l'adore. Dans le fond, il y a une suction ici, une vibration ici. Puis, il y a différents modes pour chacun des deux. Et ce qui est nice, c'est ce petit bouton-là qui est le Tombe, qui, dans le fond, va venir ajouter une suction à votre suction. C'est comme difficile à expliquer, mais ça vient juste genre pousser de l'air. Ça va comme rajouter un peu plus de suction. C'est absolument malade. Si vous aimez les jouets à suction, vous allez adorer celui-là. Puis en plus, il y a aussi la vibration. Fait que vous avez le meilleur des deux mondes. Ensuite, j'ai également reçu le P-Ball que vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est un de leurs plus grands vendeurs. C'est majoritairement lui que tout le monde parle. Et avec raison, je peux comprendre pourquoi. Si vous avez jamais essayé de jouer à suction dans votre vie, qu'est-ce que vous attendez? Ce petit jouet-là, on dirait un comme-poudrier dans Total Spice. Tellement cute. Sortez le petit jouet. Et il y a 2 modes également. Il y a le mode vibration et il y a également le mode suction. Ce qui est cool de ce jouet-là, c'est qu'il est méga compact, vraiment cutie. C'est genre ton allié numéro 1, peu importe où tu t'en vas. Puis, il se range dans cette petite boîte-là. Vraiment adorable. Et le dernier jouet que j'ai reçu de Bellessa, c'est le Aurora Soft Touch. C'est un wand, mais comme plus malléable, tu sais, dans le sens que je peux bender ça. Vous pouvez l'utiliser sous forme de pénétration ou sous forme de vibromasseur. Il y a différents modes, encore une fois. Il est vraiment confortable et doux. C'est aussi fun à le tenir. Puis la forme est vraiment faite pour vous offrir le maximum de plaisir. Je vous invite vraiment à aller visiter le site de Bellessa, que ce soit pour du sex-ed, pour acheter des jouets. Puis d'ailleurs, le concours que vous pouvez participer gratuitement, vous allez automatiquement recevoir un jouet ou une carte cadeau. Fait que why not participer? Je vous rappelle que le lien est dans la bio. Un énorme merci encore une fois à Bellessa de commanditer ce vlog tout en douceur et self-care. Et sur ce, continuons notre journée. Hello! Je m'en vais me faire faire les ongles à l'instant. Much needed. Je pense que je suis un peu d'avance, c'est que j'ai essayé d'aller me chercher un petit café avant parce que self-care pour moi égale définitivement café. On s'en va travailler dans un petit café. Oh my god, oui, c'est vrai, maison. J'ai fait des petits ongles vraiment naturels.
plus court. On dirait que j'avais besoin de comme d'un petit clean-up. Fait que voilà, c'est des petits ondes nude, je les aime vraiment. Mais là, je m'en vais travailler, relaxer. J'ai aussi amené un livre pour y aller en douceur dans mon café préféré. Bon matin, on est le next day. Hier soir, j'ai arrêté de vlogger parce que, honnêtement, pour le reste de la journée, j'ai fait des tâches, du ménage, comme vous avez vu. Puis après ça, j'ai pris vraiment ça relax. Fait que j'ai comme mis de côté ma caméra. Et là, ce matin, je m'en vais continuer à travailler, notamment éditer le vlog que vous êtes en train d'écouter avec mon amie Vicky, que je pense que vous avez déjà vu, avec qui j'ai fait ma maîtrise. On s'en va au café Pistache. Il fait tellement beau aujourd'hui que comme la lumière là-bas va être malade, j'ai vraiment hâte d'y aller. Avant de partir, je voulais vous montrer mon OOTD parce que je vous ai pas tant montré ce que j'ai acheté au Brésil. Mais là, je porte un des morceaux. Puis là, je suis en train de me demander si c'est un peu trop intense pour un café. Puis c'est pas plus genre une date de vendredi soir. C'est une genre de petite laine que j'ai pris au Zara, mais il y a comme juste un bouton ici. Fait que vous comprendrez que c'est quand même assez dénudé, mais tu sais, au day to day, là, mettons, c'est rare que je m'écarte de même. Ça ressemble plus à ça. Fait que je pense que ça le fait pour vrai. Je pense juste qu'il faut que je le own. Puis j'amène aussi, je vais amener mes trucs dans un sac qui est celui-ci, qui est un sac que j'ai également acheté au Brésil, qui vient de... Vous n'avez pas encore écouté le vlog à ce jour, mais il y a un coffee shop qu'on aimait full qui s'appelle The Coffee à Fortaleza. Fait que j'ai acheté le tote bag, je le trouvais trop beau, noir comme ça. Fait que voilà. Oh, by the way, c'est vrai, dans les derniers jours, je suis allée magasiner encore avec Charles, puis j'ai pris des petits clips. Est-ce qu'on aime ça ou je suis trop petite pour porter ça? Ça, c'est la question. Mais le top d'eau, oh my god, il est absolument magnifique. She's such a cutie! Puis ça, c'est un des pieces que j'ai acheté. Je l'aime tellement. Je l'ai pris au Zara dans le large. Elle est super oversize. Vraiment le parfait fit que je peux mettre un hoodie en dessous aussi. I love it. Après le café, je vous promets, je vous remonte les autres achats que j'ai fait dans cette séance de magasinage. On est un petit peu plus tard, puis je me suis maquillée parce que j'ai pris du contenu pour une collab, ben en fait, qui est la collab Bellessa que vous êtes en train d'écouter, mais sur Instagram. Pris une petite photo and all. Et là, je m'en vais aller travailler avec Charles cet après-midi. I know, je bouge beaucoup ces temps-ci, mais pour vrai, j'ai besoin de bouger parce que, comme je vous dis, aucune motivation à travailler. Fait que j'aime ça travailler avec des gens. Je m'en vais chez Charles, mais je voulais vous montrer les vêtements que j'ai achetés, que je vous parlais avant d'y aller. Alors, vous avez vu le clip, mais j'avais pas le choix de repartir avec cette camisole-là. Elle est absolument magnifique. Elle est couleur genre vert émeraude. Là, je pense qu'à la caméra, elle sort un petit peu plus turquoise, mais vert émeraude. C'est un bustier avec, qui s'attache dans le dos comme ça. Il est absolument magnifique. Ça me va trop bien. Je l'aime full. J'ai pas acheté grand chose en fait tant que ça. J'ai acheté ça au Urban Outfitters, le manteau aux Zara que je vous ai montré, puis une paire de pantalons chez Garage. Dans un des clips que je vous parlais quand je magasinais, j'ai essayé des pantalons parachute au Urban, puis comme on en a statué que j'étais trop petite pour que ça soit aussi baggy que ça. Ça, c'est fait pour des personnes grandes en tout cas. Fait que j'ai trouvé cette paire là qui est chez Garage, que j'aime full. Là, ils sont un peu frippés parce que je les ai fait sécher à l'air libre puis ils sortent du lavage. Mais ils sont tellement cute. Ils ont plein de poches, plein d'attaches de même, de straps. Je les aime vraiment. Je vais vous mettre une photo à l'appui du outfit complet parce que c'est ce que j'ai mis pour la fête à Laurent
samedi dernier. Je tripe vraiment dessus. Je vais aussi vous mettre un lien si ça vous intéresse, des pants dans la barre d'infos. Je trouve vraiment qu'ils me font bien parce qu'ils sont comme plus ajustés à la taille. Fait que pour moi qui est petite, ça fait moins une petite boule. Ça fait plus genre ajusté, puis après ça super baggy, puis ça m'enlève pas 14 pouces de longueur parce que c'est large. Vous comprenez tout ce que je veux dire? Voilà, ça a été mes achats. Sur ce, on se dirige chez Charles pour aller travailler. What's up, pire vlogueuse de l'univers? J'ai complètement oublié de vlogger. Bon, premièrement, chez Charles, vous avez juste vu des chutes de son appart, mais c'est parce qu'on a jasé une bonne partie du temps, puis après ça, on a travaillé, puis tout ça, mais en tout cas, bref, j'espère que vous avez enjoyed. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis quand même un long moment, c'est drôle de voir l'appart différent comme ça. En fait, quand je suis partie de chez Charles, Charles, il a pris ma chambre, puis sa chambre, il l'a transformée en salon, salle à manger, ce qui lui a permis de mettre un îlot dans la cuisine. Puis, anciennement, notre salon, si vous vous situez dans l'appart, c'est devenu une chambre pour son nouveau coloc en tout. Et en soirée, je suis allée souper au Pacini. J'avais une collaboration avec Pacini à faire, fait que je suis allée souper là avec une amie. Yo, bon matin. Vous excuserez ma petite face du matin. Je suis en train d'éditer la vidéo, puis j'ai complètement oublié de vous dire hier que l'amie avec qui je suis allée souper a un nouveau bébé chien, puis j'ai pris des clips parce que je me suis dit, faut absolument que je mette ça dans le vlog. Pour quelqu'un qui file pas, ça va clairement faire sa journée. Fait que je présente Boris. Là, là. Bobo, t'es trop beau! Qui? Shake your paw. Bravo, Bobo! Down. Yay! C'était vraiment bon, Pacini. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allée là. Je pense que la dernière fois, c'était genre au Saguenay avec ma famille. Mais je vous insère des petits recaps ici, vu que je suis la pire vlogueuse de l'univers, comme je vous disais. Et là, ben, je m'apprête à me démaquiller pour aller me coucher. Mine de rien, c'était quand même une grosse journée. Je sais que j'ai dit que j'allais prendre ce soft pour le retour du Brésil. Et c'est ce que j'ai fait. Mais finalement, je me suis quand même déplacée beaucoup. Puis j'ai bougé pas mal dans les deux dernières journées. Fait que je commence à être fatiguée un petit peu. Là, il est genre 10h. Puis comme, je vous garantis que je suis dans le lit. Straight up après avoir fini ce clip-là. Fait que voilà la gang, écoutez, je pense que c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit vlog vraiment plus casual de comme quelques journées dans ma vie où on essaye de prendre ce relax puis de revenir à la base. Un énorme merci encore une fois à Bélissa d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo-ci. Je vous rappelle que en participant à un concours où vous inscrivez votre courriel dans le lien vers la barre d'information, vous allez recevoir automatiquement soit un jouet gratuit ou une carte cadeau de chez Bélissa. Fait que manquez pas ça, puis allez vous inscrire directement. C'est simplement en mettant votre email que vous allez vous inscrire. Et sur ce, ben un énorme merci. Tellement de mauvaise idée de commencer à me démaquiller pendant que je fais la conclusion. Et sur ce, un énorme merci d'avoir été là. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous m'écoutez, que vous êtes là, puis que vous m'écrivez. Toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Et sur ce, avec ma face qui a l'air de ça, je vous dis gros bisous, bye bye, à très bientôt.